Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir judiciaire aux États-Unis. Avant de vous présenter cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour proposer des thèmes que vous voulez que j'aborde en vidéo. Le pouvoir judiciaire aux États-Unis. Les États-Unis étant un État fédéral, il existe donc dans ce pays 50 systèmes judiciaires fédérés plus un système judiciaire qui est le système fédéral. On notera qu'au niveau fédéral, la Constitution américaine du 17 septembre 1787 pose les bases de ce système judiciaire. Il en résulte que le pouvoir judiciaire est compétent pour interpréter les lois, appliquer les lois aux litiges et, selon la jurisprudence, vérifier la constitutionnalité des lois. Il faut rappeler dans ce pays l'importance des juges et notamment du principe de common law, dit du précédent. On parle souvent à cet égard d'un gouvernement des juges, tant le pouvoir judiciaire a de l'importance. Concernant le système fédéral, les juridictions fédérales se trouvent au sommet, la Cour suprême, the Supreme Court. En dessous, on trouve les cours d'appel, courts of appeal, et en première instance, des cours fédérales de district, des district courts. Il existe 12 districts qui sont aussi appelés circuits. Toutes les affaires qui dépassent le cadre d'un seul circuit, d'un seul district, relèvent de la compétence de la Cour suprême. On notera enfin que le Congrès est compétent pour créer de nouvelles juridictions fédérales concernant par exemple les faillites ou des affaires en lien avec l'activité du pouvoir exécutif par exemple. Les juges des juridictions fédérales sont tous nommés par le président après audition par le Sénat qui valide ce choix par un vote majoritaire. C'était le pouvoir judiciaire aux États-Unis. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et Juridiquois. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.